quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Hello, hello, eh bien, nous sommes partis de Tôle ce matin. On est parti de Tôle, attention aux cyclistes qui sont devant, pour prendre la direction de Viella. Apparemment, voilà, c'est la frontière, on va passer la frontière en tournant en France. Vers Bagnères-de-Luchon, rentrer gentiment sur Nantes après. Peut-être par l'ouest, on ne sait pas encore, hein, rien n'est décidé. Et puis ben là, on est encore dans des paysages. Paysages assez fabuleux. Les Pyrénées, mais bon. Comme je le dis souvent, on pourrait se croire en Alaska. On pourrait se croire un peu partout. C'est ça qui est génial avec les montagnes. J'aime bien. J'aime bien. C'est le début d'une grande série, hein. Jusqu'à Viella, je crois que c'est jusqu'à la France, c'est plein de tunnels. Il fait que 175 mètres. Ouais, il s'appelle... En hommage à YouTube. Il s'appelle Bodo. Là, c'est le tunnel à l'ancienne, là. Vraiment. C'est beau. Route de taille. Ouais. Le tunnel qui a été fait à la dynamique du YouTube. Et voilà. Waouh! Ah, il est impressionnant ce barrage, ouais. On peut peut-être le traverser à pied. Ah bah c'est sûr, mais. Ouais. Hop, tunnel. Elle aime bien ces petits tunnels. C'est la route des tunnels. Et du coup, normalement, logiquement, quand on sort derrière, il y a de la flotte. Ça, ouais, logiquement. Ah! Wow. Ça va, le niveau est moins bas parce qu'hier le lac manquait presque 10 mètres d'eau. C'est chouette. Bon, on va peut-être faire notre petite baignade aujourd'hui aussi. Bah, peut-être, il est quelle heure ? 11h15. 11h15. Ça donne envie de se baigner dedans, hein. L'eau elle est hyper claire. On est à peu près du barrage là. Là qui fait 5230 mètres, 5 km. Ouais. Ah bah ça passe vite, 5 km. 5 km, ça passe vite. Ah, de l'autre côté, c'est pas le même paysage déjà. C'est plus vert, on commence à se rapprocher de la France. Le toit. Là, on est à Bagnères-de-Luchon. Voilà. C'est bien. Bah non, c'est un peu court comme tchatch. Bon bah on va essayer de dormir ici, se balader dans la ville, éventuellement prendre le téléphérique pour aller voir super Bagnères. Et puis voilà, on va aller se balader. On voulait poster nos courriers, lettres recommandées, etc. Mais on est samedi. Mais en fait, on est samedi. Donc, on fera ça demain matin. Voilà, alors direction du coup le parking des camping-cars. Et voilà, nous voilà à Bagnères-de-Luchon. C'est magnifique. Il y a même des planeurs qui volent dans le ciel. Ici, on a toujours l'Axane du Sud, la montagne est belle. On va essayer d'aller prendre le téléphérique pour aller voir comment elle s'appelle, la super Bagnères. Super Bagnères, là où nos anciens voisins Kevin et Magali ils font du ski. Voilà. Voilà, j'imagine que ça c'était l'ancien casino, puisque l'immeuble qui est juste en face, il s'appelle les jardins du casino. Donc a priori le casino il est fermé. Quoi. Et puis il y a les anciens qui jouent à la pétanque. Ici ils sont pas heureux, les thermalistes. Ah oui, c'est les thermes.
Non, ici c'était le casino, je pense. Ah. Ouais, casino, puis bah là, il y a le terrain de boule. Terrain de pétanque. Oh, s'ils sont pas heureux, les gens, regarde ça. Tu tires ou tu pointes. Tu te prends pas la tête. Hein. Et voilà quoi. Regarde ça. Bon. Ah, il le met au bouchon. Et puis c'est tout. Alors effectivement, c'est le casino. Mais il n'est pas désaffecté, c'est juste qu'il est mal entretenu. Voilà. Donc là, il y a une petite brocante, hein, la bannière de Luchon, avec un peu de tout. Alors voilà, les thermes de Luchon. Donc ça, c'est les nouvelles. C'est un bâtiment assez récent. Alors que celui-ci, c'est le bâtiment construit en 1848. Par Chambert, sur l'emplacement même des thermes construits par les Romains. C'est ici. Donc nous, on va prendre le grand boulevard là, du centre-ville qui est là. On file toujours tout droit, toujours tout droit. On va aller visiter la petite église qui est là-bas, qui est en train de sonner. Là. S'arrêter au supermarché, s'acheter, je sais pas, un petit peu de poulet ou un petit peu de viande ou des légumes, je sais pas si on mange végétarien ce soir ou pas. Et puis voilà quoi. C'est assez beau quand même, hein. Luchon, bannière de Luchon, on est un peu dans les années 1900 quoi. Ouais, 1850, 1900, c'est carrément super quoi. Voilà, le petit kiosque et tout, super. Tu as fait ton vœu ou pas? Oui. C'est un petit rituel quand on visite les églises. Hein. Jeanne met toujours sa petite bougie. Elle fait son petit vœu. Et c'est prêt. Faut pas qu'on visite une ville où il y a beaucoup d'églises, sinon ça finit par coûter cher. Allez, on y va? T'as fait un vœu pour qui? Pour ma vie, d'accord. Et voilà, nous voilà à... Comment ça s'appelle? Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc, on est parti de Bannière de Luchon ce matin. Là. Oui, donc on a dit au revoir à Bannière de Luchon. Et là, on va visiter l'abbaye Saint-Benoît-de-Comminges. Oui, tu connaissais pas? Ah, pas du tout, absolument pas. Je sais pas, toi qui es catho quand même, ça fait partie des hauts lieux. Je suis cata là, ouais. Bah oui. Bon, tu es pas pratiquant en tout cas. Bah, je suis baptisé quoi. Bah, au moins t'auras vu celle-là. Mais comme ça, on sera pas obligé de faire Lourdes du coup cette année. Ah bah cette année, non, on va pas à Lourdes. Ah. Par contre, on va aller goûter le cochon de Bigorre, je pense, Bannière de Bigorre. Et puis après, on va peut-être aller se baigner, non? Ouais, mais il y a Jeanne qui traîne, mais c'est toujours... On va laisser passer l'orage, on va rester dans le coin. On va aller dans un camping ce soir. Ce soir, dans un camping? Je sais pas. Sorte faire une lessive, puis se faire une piscine. Ouais, faire une lessive, trouver une piscine, je sais pas. Bah allez, Jeanne, tu viens? Bon, en fait, on sait pas trop. Bon, Jeanne! Je pense qu'on... Allez, dépêche-toi! Allez, où? Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je pense qu'on va aller voir la mer, en tout cas, voilà. Peut-être remonter par l'ouest, quoi, par Bayonne, peut-être aller faire dire un petit coucou aux cousins, aux cousines à Bayonne. J'ai oublié mes lunettes de soleil, là, mon enfant. Puis remonter par Ourtin et tout ça, là, le lac d'Ourtin. Pourquoi pas passer le bac à Royan, comme on fait souvent. En tout cas, là, il fait ultra chaud. J'ai un peu peur de cette histoire de météo en fait, parce que là on a écouté à la radio, ils annoncent des orages monstrueux avec des grêlons et tout, alors je sais pas comment ça va se passer.
J'espère qu'on va pas être pris là-dedans, quoi, parce que... Enfin bon, voilà quoi. En tout cas, bon, on a dit au revoir à Bagnères-de-Luchon. Je sais pas trop ce qui s'est passé. La pompe à eau... Enfin, ça continue, les histoires, quoi. Il y a la pompe à eau qui a déconné. Enfin bon, allez, quelques images de l'abbaye, et puis voilà, quoi. Allez, à ce soir. Ou à tout à l'heure. Donc, petite rectification, c'est pas Saint-Benoît de Comminges, c'est Saint-Bertrand de Comminges. Voilà, ça se mérite. Hein, ouais. Je disais que c'est encore un petit Saint-Malo ou un Mont-Saint-Michel ou un Rocamadour. Pourquoi est-ce que ces élus sont toujours en haut? J'imagine que c'est pour qu'ils puissent voir de loin. Ouais, c'est c'était expliqué sur les trucs en bas là, c'est. Au Moyen Âge, à l'Antiquité, ils se protégeaient sur les hauteurs. Voilà, je sais pas si on se rend compte, mais la pente, elle est quand même à, je sais pas, 12%. C'est par là, j'ai 15%. C'est bien comme il faut, quoi. Puis bah là, on découvre le petit bled qui est quand même assez sympa. On va vous montrer ça. Tu m'as fait louper mon plan. Alors, et pour qui du coup le vœu? Tu prends une grosse bougie, là, t'as le droit à une grosse bougie. Comme tu veux. Hein, Jeanne? Il est pour qui le vœu du coup? Pour Mamidou? Ah bon. Et toujours pour Mamidou. Toujours pour Mamidou, oui. Mamidou, elle est protégée par Jeanne. Non, c'est pas là. C'est vraiment impressionnant à l'intérieur, là. Ouais, je sais pas ce qu'il y a dedans, enfin. Qu'est-ce que tu fais, Clémence? Tu bois toute seule? Ah, c'est des pigeons. Ah, je voyais la queue, mais je voyais. Tu bois toute seule, Lolo? Ah oui. Montre comment tu fais. Eh ben, dis donc, t'es grande. T'es grande. À peu près normal. Toi, tu te promènes, Clémence, toute seule. Voilà, désolé pour la tremblote, hein, comme d'hab. Et voilà, on va retomber sur le chemin de tout à l'heure. T'as pas l'impression d'exagérer sur mon dos, là? T'as pas l'impression d'être trop lourde pour maman? Ah bah si, je t'assure, t'es trop lourde. J'ai descendu Saint-Bertrand de Comminges avec Jeanne sur le dos. Heureusement que c'était pas la montée, parce que... hyper lourde. Waouh. On est arrivé. Eh bien, nous voilà à Bagnères-de-Bigorre. Bagnères-de-Bigorre. On va aller faire un petit tour au centre-ville tout à l'heure. Donc ici passe l'Adour qui se jette, je crois, dans l'Atlantique. Non, dans la Garonne, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, ça passe du côté de Bayonne, l'Adour. Donc ici, c'est l'Adour aussi, voilà. Bagnères-de-Bigorre, on va aller faire un petit tour. Et voilà, nous voilà. Nous voilà à Bagnères-de-Bigorre. Voilà, j'ai l'impression que c'est la place un peu principale.
On est un peu en stress à cause de cette histoire d'orage. Là on est dimanche 12 août. Et une alerte météo, là, de grands orages avec, des grêlons, tout, je sais pas. Vu qu'on a la poisse pendant ces vacances, enfin, je sais pas, quoi. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Moi, ouais, c'est chouette, hein. C'est beau. C'est un genre de beffroi. Voilà, la tour des Jacobins. Apparemment, c'était un refuge pour les Dominicains qui se sont fait piller, je sais plus quand, au 14e siècle. C'est dingue, toutes les voitures chauffent. Tout le monde chauffe. C'est mignon, Bagnères de Bigorre. C'est dommage qu'il n'y ait pas une boucherie d'ouverte. Quoi, parce que moi, je voulais goûter le cochon de Bigorre. Fermentville. Ok, donc bon, bah salut Bagnères de Bigorre, peut-être qu'on reviendra demain, je sais pas. De toute façon, on est obligé de revenir par là. En fait, on est obligé. Ah bah oui, oui. Parce que demain, bah je sais pas, on réfléchira à ça tout à l'heure, je sais pas. Campan, c'est là en fait. Oui, bah alors en fait, c'est tout droit là, c'est tout droit par là. Donc là, il y a les petites collines et tout, donc. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir, et puis j'espère que ça ira pour l'orage. Bon, bah on est dans le Titanic. Oh là là, l'ambiance. Je sais pas si on voit bien dehors. On va attendre que ça se calme un peu. Apparemment, il y a un pot d'accueil au camping. Là, on est sur une aire de camping-car qui appartient à un camping. On est juste au-dessus de Bagnères de Bigorre. Oh là 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 là. On n'aura pas tout de mieux. Donc voilà le programme. J'espère que ça prend bien. Pas comme ça. Pour que ça tremble pas. Donc voilà le programme. Alors le programme, c'est que là on est à Bagnères de Bigorre et il pleut. Donc on s'en va de Bagnères de Bigorre. On va s'arrêter vite fait, faire 2-3 courses, acheter du pain, de l'eau. Du cochon, du noir de Bigorre. Ah, on m'appelle. Alors, excusez-moi, je coupe la vidéo. Oui, donc, je disais, avant ce petit coup de fil de téléphone de Backdoorman, eh bien, il pleut ici. Donc, on s'en va et on va direction Tarbes, c'est ça. Et puis après, je pense qu'on va aller essayer de, on va essayer de passer à Marciac. Parce qu'il y a peut-être des concerts là-bas. Je crois que le festival, il finit aux alentours du 15 août. Donc, ça peut être sympa d'aller voir des concerts de jazz. Hein, les filles? Ouais? Quoi? Bah non, tu veux pas. Bon, donc... alors, Tarbes. Marciac, c'est là. Marciac, c'est par là, quoi. Faut prendre Tarbes, et puis après, Marciac, c'est par là. Non... Marciac, c'est la route, c'est une route qui est par là, je crois. Donc, tiens, Marciac, c'est là. Voilà. D'accord. Voilà. Soit on prend, soit on monte par Auch, soit par Marciac. Allez, à plus. Marciac. Donc là, c'est y a plein de monde. Il y a plein de monde, c'est gavé. On est en plein festival de jazz. Donc, on va essayer d'aller voir un ou deux concerts. Quoi, pas forcément les concerts du IN, mais il y a tellement de trucs. Voilà quoi. À mon avis, il y a un peu des concerts partout, il y a des icos de partout. C'est un peu de la folie, c'est vrai. Hein, ça a l'air, oui. Ça a l'air. Donc tu veux aller voir quoi comme concert? Il n'y a pas tant de monde que ça. Mais si ça dure un mois. Le jazz. Le jazz. Bon, eh ben, on est au bon endroit pour aller voir du jazz. Allez, à tout à l'heure, on va vous montrer tout ça. Est-ce qu'il reste de.
Un peu de la folie. Hop là. Tout à l'heure, il y avait un concert là-bas. C'est. Je sais pas si c'est un festival de jazz ou alors un festival de je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est assez énorme. Il y en a de partout, comme vous pouvez le constater. De s'en aller de Marciac parce que là, le parking il est carrément blindé. Ce soir c'est le concert de Santana, donc j'imagine que là après le concert ça va être ça va être un sacré bordel, donc on préfère partir d'ici. J'ai repéré un petit air sympa là à 10 km, donc on va aller manger là-bas et puis on se retrouve demain matin, je pense. Hein. On va passer une soirée relax sans caméra. Allez, ciao! Eh bien, bonjour! Donc, comme convenu, on se retrouve le matin. Donc voilà, nous on a dormi ici. Pas facile de s'endormir parce que c'est un flux continuel de voitures. J'ai dû me coucher à l'heure de la fin du concert de Santana. Pas évident de s'endormir. Ça a duré une heure, pendant une heure, c'était rempli de voitures qui passaient. Oh là là là. Enfin voilà. Mais bon,
L'avantage, c'est que l'environnement, quand on se lève, il est vraiment sympa. Et puis là, on prend le petit déj. Et puis, où est-ce qu'on va aller? On ne sait pas. On va aller peut-être du côté d'Arcachon, par là-bas. Coucou. Coucou. Du côté d'Arcachon, quoi. On va essayer. Là, il y a des joggeurs, des joggeuses. Mais ça. Donc voilà, quoi. Il y a un peu. Comment ils ont fait pour dormir, c'est pareil. Enfin, donc on se retrouve tout à l'heure, peut-être quelques images sur la route. On verra. Bicyclette.